Ça nous libère des pensées de crainte continuelle. It frees us from acting out of fear. Ça nous libère d'agir sous la crainte ou la peur. And it frees us from living as slaves. Et ça nous libère de vivre comme esclaves. Last week we also learned that creation is waiting for us, you and I, to be revealed as God's sons and daughters. La semaine passée, nous avons abordé le sujet du fait d'être libérés du statut de l'esclavage. Sonship has to be revealed in us. Le statut de filiation de fils doit nous être révélé dans notre esprit, dans notre cœur. Romans 8, 19 to 21 says that all of creation is waiting for us to be revealed as the sons and daughters of God. Romains 8, 19 stipule, car la vive attente de la création attend la révélation des fils de Dieu. And the reason creation is waiting is that they will be free when we are manifested as sons and daughters of God. C'est que les gens autour du monde attendent de la révélation des fils de Dieu. C'est là que vraiment les autres vont être libérés, lorsqu'on est libéré. So creation is affected by our ability to walk as sons and daughters of God. Could you repeat that? A creation situation is affected by our ability to walk as children of God, to live as children of God. La situation de la création nous permet de marcher dans la libération de Dieu, et les gens vont être affectés par ça. But we have to learn how to live as children of God. But nous avons besoin d'apprendre à vivre comme enfants de Dieu. And I shared last week that one of the ways that sonship is revealed in us. Une des façons que j'ai enseigné la semaine passée, c'est comment vivre comme un enfant libéré. Is by standing in the gap. En se tenant dans la brèche. And I tried to explain to you last week what that was all about. J'ai essayé de vous expliquer la semaine passée de quoi ça revient, de quoi il en tient du sujet. In Ezekiel chapter 22, it says all this evil was happening in the city of Jerusalem. Dans Ézéchiel 22, 29, 31, j'ai cherché parmi eux un homme qui ferma l'enceinte et qui s'attend à la brèche. And so God looked for someone, a man or a woman, who would build up the wall and stand in the gap before God. Dans cette situation maléfique, l'homme, Dieu cherche quelqu'un qui va parmi eux, qui va fermer l'enceinte et se tenir à la brèche. And he was to do it, or she was to do it, on behalf of the land, of the whole land, not just for their own sake. Il devait faire pas juste pour lui, pour lui-même, mais pour le corps du Christ. We learned last week that a gap is a breach or a break in the wall of righteousness. Une brèche, c'est une brisure qui a besoin d'être refermée. And through that gap, evil flows and damages people's lives. Dans cette brèche-là, le mal se répand dans la vie des gens. And last week we learned as New Testament Christians how to stand in that gap. Et la semaine passée, nous avons appris dans le Nouveau Testament comment se tenir dans la brèche. As in Acts chapter 4, verse 29. Dans Actes chapitre 4, verset 29. The believers prayed, Lord, enable your servants to speak your word with great boldness. Les croyants soient rendus capables de prier avec hardiesse. And so we stand in the gap by number one. We call out to God. On se tient premièrement, numéro un, dans la brèche. Number two, we ask God for boldness to speak and to act in love. Numéro deux, on demande à Dieu comment d'agir puis de parler avec audace. Number three, we receive God's power. Numéro trois, on reçoit la puissance de Dieu. And then we, number four, actually speak and act. Numéro quatre, on parle et on agit. Unfortunately, I didn't realize how many questions that I would stir up last Sunday. Malheureusement, j'ai soulevé certaines questions auxquelles je ne m'attendais pas. I was like, people said, boy, you really opened up a can of worms, Pastor Dave. Oh, là, t'as ouvert une canne de rebut. Well, I think I opened up a whole bait shop. J'ai ouvert une pâtisserie. Là, avec... And so I want to spend the next two Sundays answering some of the questions that came up. Pour dans les deux prochaines semaines, j'aimerais
répondre à certaines questions qui ont été soulevées vis-à-vis ce que j'ai ouvert à la porte là. So we want to understand walls and gaps today. On va faire comprendre et faire la distinction entre les murs puis les brèches. And we discover from Genesis that our call is to fill the earth with righteousness. Dans Genèse, notre appel, c'est de régner sur terre avec droiture et justice. Genesis chapter 1, 27-28. Genèse, chapitre 1, versets 27 et 28. It says, God created man in his own image. In the image of God, he created him. Male and female, he created them. God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number, fill the earth and subdue it and then rule. Genèse 1, verset 27-28. Et Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il les créa mâles et femelles. Et Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, fructifiez et multipliez et remplissez la terre et l'assujettissez et dominez. So from the very beginning, it was God's intention to raise up a righteous people. À partir du début, il était clair et défini que Dieu voulait avoir un peuple qui domine et assujettisse la terre. And these righteous people would increase in number. Que ces gens de droit régneraient et augmenteraient en nombre. They would then teach their children the righteous ways of God. Ils enseigneraient à leurs enfants la droiture de Dieu. And then they would slowly inhabit more and more of the earth. Et ils habiteraient la terre et ils régneraient avec justice. And so God's righteous standards would be demonstrated wherever they went. Donc, la droiture de Dieu serait démontrée sur toute la terre entière. Now, unfortunately, Adam and Eve, through disobedience, introduced the world to sin. C'est que malheureusement, avec la désobéissance d'Adam et Ève, ils les ont introduits au mal. And so, the mandate of God's people remained the same. The mandate of God's people remained the same. Le mandat de Dieu, lui, n'a pas changé, c'est le même. But the method of how we fill the earth with righteousness had to change. Et la méthode pour de remplir et de le peuple de Dieu avec droiture doit changer. Because there was now evil in the world. Parce qu'il y a du mal dans le monde. And so God's new method was to expand the wall of righteousness. Et que la nouvelle méthode de Dieu, c'est d'étendre les murs de Dieu, la justice. Deuteronomy chapter 7, 22. Deutéronomie 7, verset 22. The Lord your God, and get this, it's God. Do we get this? It's not us. It's God will drive out those nations before you little by little. You will not be allowed to eliminate them all at once. Et l'Éternel ton Dieu chassera ces nations devant toi peu à peu. Tu ne pourras pas les détruire tout aussitôt. So God said that we're going to expand that wall of righteousness little by little. C'est qu'il veut répandre la droiture et la justice de Dieu petit à petit. We can't just transform the whole world all at once. Non, on peut pas virer la terre bout pour bout puis gagner les âmes au Seigneur. And but as we increase in number, mais si on augmente en nombre, and as we live by God's standards of righteousness, et si on vit par les standards de Dieu, our lives will be influencing the people around us. Notre vie va avoir une influence sur les gens autour de nous. And as that happens, God would be driving the evil out of the land. Et comme quand cela va se produire, le mal va être chassé du peuple de Dieu. So little by little. Petit à petit, pas à pas. And so those standards of righteousness would slowly advance as a wall of righteousness over the world. C'est que la droiture de Dieu avançait à ce que les murs, aussi longtemps que les murs sont éloignés. But God said there's something you really, really have to understand if you're going to do that. Si Dieu veut qu'on prenne vraiment quelque chose avant qu'on entreprenne ces choses-là. Do not let those evil practices come within the wall of righteousness. Ne laissez pas les pratiques maléfiques devenir dans les murs de Dieu, les murs de la droiture de Dieu. Because if you do, it will destroy your ability to expand the wall of righteousness. Si vous faites cela, ça va aller saboter l'avancement des murs de Dieu, de justice. Leviticus 20:23. Lévitique 20-23. You must not live according to the customs of the nations that I'm going to drive out before you. Vous ne devez pas marcher en rapport avec les statuts de la nation que je chasse devant vous. Like you must not. Ne devez pas.
As New Testament believers, this is still our call today. En tant que croyants du Nouveau Testament, c'est ce que nous avons auquel nous assujettis. Matthew 5:16. Matthieu 5:16. Let your light so shine before men that they will see your good works, and as a result, they'll start to glorify your God, which is in heaven. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes en sorte qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. So the new strategy, or the mandate was still the same, to fill the earth with righteousness. La nouvelle stratégie, le nouveau mandat, c'était de remplir la terre avec justice. But the new strategy was to build a wall of righteousness through our lifestyle and slowly let that expand as we influence others. C'est que le nouveau mur de justice doit se traduire et se refléter dans notre manière de vivre. And yet, always be careful to maintain that standard of righteousness within the wall. And so as people outside the wall see our love, our joy, our peace, que les gens à l'extérieur des murs voient notre amour, notre miséricorde, notre bienveillance, as they see the liberty and freedom of God's people that we even sang about today, s'ils voient la liberté de Dieu qu'on chantait aujourd'hui, qu'ils le voient eux autres aussi. They would say, I want that too. Help me to embrace your standards. C'est ce que je veux. Comment est-ce que je peux embraser, prendre possession de cet amour-là? And we do that by introducing them to the Lord Jesus Christ. On le fait en les présentant à l'amour de Jésus. Matthew 28, teaching them to obey. Matthieu 28 les enseigne à obéir. And in that way, the wall of righteousness would increase and expand and fill the whole earth. De cette façon-là, les murs de droiture et de justice vont augmenter, ils vont s'étendre. Now, you need to hear me on this. It was never God's intention for us to judge those outside the wall of righteousness. Il y a une chose que je veux soulever qui est bien importante que j'aimerais que vous compreniez, c'est que ce n'était pas l'intention de Dieu que nous on se mette à juger le monde et à condamner. Meaning the world. Le monde. We were called to correct those inside the wall of righteousness. Nous avons été appelés à corriger les gens qui sont à l'intérieur du mur de droiture comme ici. And then let our witness or our standards be a testimony to those outside the wall of righteousness. Qu'est-ce que l'on fait nous autres témoigne de l'esprit de Dieu que la façon qu'on agit c'est bien. 1 Corinthians 5:12-13. It says, what business is it of mine to judge those outside the church? Are you not to judge those inside? God will judge those outside. C'est pas de mes affaires, c'est car que c'est ça autrement dit pour paraphraser. C'est pas de mes affaires de juger ceux de dehors. Vous ne jugez-vous pas ceux qui sont de dedans, mais ceux de dehors. Dieu les juge. This is so important to understand. C'est vraiment important de comprendre cela. Because we have spent so much of our time judging those outside the wall of righteousness. C'est qu'on passe la plupart du le gros de notre temps à juger les gens qui sont à l'extérieur des murs. Like, what do you expect? They don't have Christ. Qu'est-ce que vous attendez-vous? Est-ce qu'ils vont connaître quelque chose de Christ vraiment en réalité? How do we expect the unsaved to act like Christians? Comment est-ce qu'on peut s'attendre à ce que les non-croyants agissent comme Christ? And so all we've done is get them mad at us. All we've done is get them angry at us. Tout ce qu'on a fait, on les a mis en colère. So what is our mandate right now? Qu'est-ce qui est notre mandat présentement? Well, we're called to expand the wall of righteousness. Ouais, c'est d'étendre les murs de droiture. But we're also called to maintain the wall of righteousness. Mais aussi, on est appelé à maintenir ces murs-là de justice et de droiture. We're called to keep the wall strong. On est appelé à tenir les murailles, les murs forts, solides. See, and as I said, instead of doing that, we've called those outside, instead of keeping the wall strong and keeping God's standards, I'll say that again. We are called to keep God's wall of righteousness strong and keep God's standards of righteousness faithfully inside the wall. C'est qu'on est appelé à maintenir les murailles fortes et les statues de droiture en place constamment. Okay. But unfortunately, what we've done is we've demanded those outside the wall to act as if they were inside the wall.
malheureusement, ce qu'on a demandé, on a exigé des gens qui sont ceux qui sont en dehors de la muraille puissent agir de la même façon comme s'ils étaient ici, dans la muraille. Even before they've come to know the Lord. Même avant qu'ils viennent à connaître Jésus-Christ. Even before they've come to receive the Holy Spirit. Avant même qu'ils aient reçu le Saint-Esprit. Even though Jesus himself says we can't keep God's laws without the Holy Spirit. I'm sorry. Even though Jesus himself said we can't obey God's word without the Holy Spirit. Je pense qu'il est clair et net, c'est qu'on ne peut pas obéir au précepte de Dieu sans avoir le Saint-Esprit en nous. Alors pourquoi que les autres le feraient? And that's why the world is so angry at the church today, and they're attacking us. C'est pour ça que les gens de l'extérieur des murailles sont furieux contre nous et ils nous en veulent à cause de nos agissements. You see, there's always going to be evil in the world. Il y aura toujours du mal dans le monde. Until Jesus comes again. Avant que j'ai le retour de Jésus. There'll always be disobedience to God's laws. Il y aura toujours des désobéissances aux lois de Dieu. There'll always be wicked behavior. Il y aura toujours des comportements malsains à l'extérieur des murailles. And God never told us to deal with those issues outside of the wall of righteousness. Dieu nous a jamais demandé de régler ces aspects-là en dehors des murailles de Dieu, c'est-à-dire dans le monde. Instead, God wants us to keep the wall of righteousness strong. Au lieu de cela, Dieu nous demande qu'on garde les murailles de Dieu fermes. And make sure that inside the wall of righteousness, et de s'assurer que les murailles de droiture, that there is such a manifestation of the sonship of God, et qu'il y a une telle manifestation de la gloire de Dieu, that it would become an influence to those outside the wall. Puis, par conséquent, ça va devenir une influence pour les gens qui sont à l'extérieur de la muraille. And as they say, I want that too. C'est ce que je désire, c'est ce que je veux. That's how the wall expands. C'est la façon que les murs se répandent, les balises. We can't control what happens outside the wall. On ne peut pas contrôler ce qui se passe à l'extérieur des balises de Dieu. And we're not responsible for what happens outside the wall, even though a lot of it is super tragic. C'est pas notre responsabilité, OK? OK, we're not responsible for that what's outside the wall, even though it can be very tragic. So, on n'est pas responsable de ce qui se passe à l'extérieur, même si ça peut devenir tragique. As sons and daughters of God, en tant qu'enfants, en tant que fils et filles de Dieu, we're responsible to keep the wall, to keep righteousness within the wall. En tant qu'enfant de Dieu, notre responsabilité, c'est de maintenir la droiture de Dieu dans les balises, dans les frontières de Dieu. Starting with our own lives. En commençant par notre propre vie. Now, an example of marriage. Un exemple de mariage. Here I go again. I brought up the issue of homosexuality last week. J'ai soulevé l'aspect de l'homosexualité la semaine passée. Not because that's the enemy. Pas parce que c'est l'ennemi. Okay. Lawlessness is the enemy. Le monde sans loi, c'est ça notre ennemi. So this is just an example. Ça, c'est juste un exemple. But see, and some of you are going to get really upset with me right now. Certains d'entre vous, vous allez être choqués contre moi. So the motor's running. Yeah, no, no, no. So, personally, I believe that if homosexuals want to adopt some sort of marriage ceremony, personnellement, si les homosexuels veulent entreprendre des cérémonies de mariage, it doesn't bother me at all. Ça me dérange pas du tout. Because that's not a Christian marriage. C'est pas un mariage chrétien. I can't define for them a Christian marriage when they're not Christians. Je peux pas définir pour eux un mariage chrétien quand ça l'est pas pour eux. If they want to have a ceremony of commitment, let them. S'ils veulent avoir une cérémonie d'engagement, ben, on les laisse faire, on peut pas les empêcher. But don't try to redefine a Christian marriage for them. Ben, n'essayez pas de redéfinir un mariage chrétien pour eux. And don't try to force me to perform a Christian marriage ceremony for them. N'essayez pas de me forcer à célébrer un mariage homosexuel. You see, according to the Bible, en rapport avec la Bible, a Christian marriage, un mariage chrétien, is two Christians, c'est deux chrétiens, a man and a woman, un homme et une femme,
coming together to glorify God, qui viennent ensemble pour glorifier Dieu, with the purpose of demonstrating the mystery of the relationship between Christ and His church. Le but de démontrer le mystère de comment Christ a aimé l'Église. Two homosexuals can't do that. Deux homosexuels peuvent pas faire ça. So I'm not going to perform a wedding ceremony for them. Je ferai pas une célébration de mariage pour deux homosexuels. Two unbelievers can't do that. Deux non-croyants peuvent pas faire ça. So I've chosen not to perform wedding ceremonies for unbelievers. I've chosen not to perform wedding ceremonies for unbelievers. J'ai fait le choix clair et ferme de ne pas faire de célébration de mariage pour deux non-croyants. And two immature Christians cannot do that. Deux chrétiens immatures peuvent pas faire ça, puis je le ferai pas. So I won't perform a wedding ceremony for two Christians unless they've gone through at least 8 weeks of premarital counseling. C'est que ils vont passer par la célébration de mariage seulement s'ils passent au travers de 8 semaines de counseling de mariage. Because my mandate is to perform Christian wedding ceremonies for Christians. Mon mandat, c'est de faire des célébrations de mariage pour des chrétiens. I am not mandated to define relationships for the lost. J'ai pas été mandaté pour définir la relation pour des âmes perdues. So I have no trouble with homosexuals having some sort of ceremony. J'ai pas de problème avec le fait que des deux homosexuels célèbrent un mariage ou qu'ils fassent. But I will not accept the validity of that ceremony within the walls of righteousness. Je ne validerai pas un mariage homosexuel de ma part. And I do not feel obligated to perform a ceremony for them. Je ne sens pas obligé, pas du tout, de célébrer un mariage pour les homosexuels. It's not my mandate to judge those outside the wall. Ce n'est pas mon mandat pour juger les gens au-delà des frontières de Dieu. Let's talk about employment for a situation. On peut prendre un exemple, on va parler d'emploi. What about hiring homosexuals? Qu'est-ce qu'il y en a pour marier des homosexuels? Sure, I'll hire a homosexual to cut my hair. Oui, pour ce qui est d'engager un homosexuel, oui, j'ai pas de problème, je pourrais engager un homosexuel pour me faire. I have. Oui. They got to eat too. Oui, il faut qu'ils mangent eux autres aussi. Are they not made in the image of God also? Ne sont-ils pas faits à l'image de Dieu? Are they not responsible to look after their families also? Ne sont-ils pas responsables de leur famille aussi? I'll hire them to fix my house. Les engagerai n'importe quand pour faire des rénovations sur ma maison. To fix my car, my appliances. Réparer mon auto, mes meubles. To serve me in a restaurant. Me servir dans un restaurant. To work in a factory I may own. Travailler dans une usine. But I am not going to give a practicing homosexual. Je vais pas donner le droit de a job where they have where they are given a platform to communicate their, what I feel, what the Bible says is a distorted sexuality. Donner un emploi où ils vont performer leur cette homosexualité tordue. So I will not hire a practicing homosexual to be a pastor. Je n'engagerai pas un homosexuel pratiquant comme pasteur. Or to be a Sunday school teacher. Ou d'être un or to be a counselor, ou d'être un conseiller chrétien, or to be a children's worker, ou travailleur pour les enfants. In any place where they have a platform to communicate their set of values. Un endroit où il y a une plateforme pour communiquer leur homosexualité pour laquelle ils pratiquent. In the world, homosexuals should be given the same rights to have jobs as everybody else. Dans le monde, c'est clair que les homosexuels ont le droit d'exercer un emploi. But I will not allow them to bring those values within the wall of righteousness. Mais je ne permettrai pas à eux, de selon leurs valeurs, d'amener ça ici dans les murailles de Dieu, de droiture. We're all image bearers of God. Nous sommes des porteurs d'image de Dieu. And so I am in no way against or angry at people who struggle with their sexuality. Je suis pas contre le fait qu'ils sont en colère, que les gens sont en colère contre les gens qui sont homosexuels. But I am against anyone who would try to break through the wall of righteousness. Je vais être contre, par contre, je vais être contre ceux qui vont essayer de pénétrer les murailles de droiture. And tell me who to marry or who to hire. Ou de dire qui je devrais engager ou marier.
Now, let's talk about righteous, healthy boundaries or righteous boundaries. On va parler de limites de frontières saines. And again, this may surprise you, but I again, someone's got to say it, so I'm going to say it. Okay. So, ça va peut-être surprendre certains d'entre vous. Quelqu'un doit le dire et je vais le dire. Would I hire a Christian? Est-ce que j'engagerais un chrétien? A man or a woman? Un homme ou une femme? Who's struggling with same-sex attraction? Qui se débat avec le même problème d'attraction sexuelle? But has realized it is wrong. Et de réaliser que c'est mal. And is willing to put into place strong personal boundaries. Qui serait jusqu'au point de mettre des mauvaises frontières à ce niveau-là. To ensure that they will never cross the wall of righteousness. S'assurer qu'ils vont jamais traverser les frontières de droiture de Christ. Yes, I would. Oui, je le ferais. And yes, I have. Oui, je l'ai fait. I once worked with a young man who struggled with same-sex attraction. J'ai déjà travaillé avec quelqu'un qui avait le problème de même sexe, d'homosexualité. But he knew it wasn't right. Il savait que c'était pas correct. And he was actively trying to overcome that temptation. Proactivement, il cherchait à combattre ce problème-là. And he confessed freely to me his struggles. Et il a confessé librement à moi. And so together we put strong boundaries in place. Si on met des balises fermes en place, that we evaluated every 2 weeks. Qu'on évalue à toutes les deux semaines. To make sure those boundaries would never be crossed. Pour s'assurer que les lignes ne sont jamais franchies, les bornes ne seront jamais dépassées. And that man served in a Christian ministry and did a fantastic job. Et il est dans le ministère, il fait un travail fantastique. He now is married and has 3 awesome kids. Maintenant il est marié, il a 3 enfants. He's doing wonderful things for God still in his life. Il fait des choses merveilleuses pour Dieu dans sa vie. Does he still struggle with same-sex attraction? Est-ce que s'il débat toujours avec le problème d'homosexualité? Still a little bit. Oui, toujours un peu. But he's told me that his struggles have greatly diminished. Il m'a partagé que ses combats ont graduellement, de beaucoup diminué. Since he's been applying the principles I taught him. Depuis qu'il a appliqué les principes que je lui ai enseignés. Say, Pastor Dave, how could you possibly work with someone who struggles with same-sex attraction? Pasteur Dave, comment pourrais-tu travailler avec quelqu'un qui se débat avec l'homosexualité? How could I possibly work with someone who struggles with lust? Comment est-ce que je pourrais travailler avec quelqu'un qui se débat avec la convoitise? Opposite sex attraction. L'attraction au sexe opposé. How could I possibly work with someone who struggles with gossip? Comment est-ce que je pourrais travailler avec quelqu'un qui fait du commérage? As long as you know it's wrong. En autant que vous sachiez que c'est mal, and you're actively trying to overcome it, et que vous cherchez activement à dealer avec ce problème-là, I will work with you. Je travaillerai avec vous. Because God's will is restoration, redemption. We sang about it today. La volonté de Dieu, c'est la restauration. On en parle aujourd'hui. Some of you look at me really strange. Certains d'entre vous me donnez un drôle de regard. Very quickly, let's look at the law of, or the spirit of lawlessness. Les principes de non-loi, de sans-loi. This is the real enemy. L'anarchie. First John 3:4. Everyone who sins breaks the law. In fact, sin is lawlessness. Quiconque pratique le péché pratique aussi l'iniquité, et le péché est l'iniquité. Okay. 2 Thessalonians chapter 2, really from verse 1 to 12. 2 Thessaloniens 1 à 12. It says, this passage is basically saying that one day a being is coming, a man of lawlessness is going to come on the earth. Ça parle ici qu'un jour un homme du mal va venir, la non-loi va être révélée. And basically he's going to oppose everything that's of God. Et il va s'opposer à tout ce qui s'opposer à tout ce qui a trait à la droiture de Dieu. But here's the point. Et voici le point. That secret power of lawlessness is already at work. Le pouvoir secret de non-loi, d'iniquité, est déjà à l'œuvre. That secret power of lawlessness is already at work.
Le pouvoir secret de l'iniquité est déjà à l'œuvre présentement. And what it does is it deceives those who are perishing. Et ça trompe les gens qui périssent. It's displayed in every sort of evil. C'est démontré dans toutes sortes de façons de mal. And it will deceive people. Et ça va tromper les gens. Why will it deceive them? Comment est-ce que ça va les tromper? Because they refuse to love the truth. Pourquoi ça va les tromper? C'est parce qu'ils refusent de recevoir l'amour de Dieu. They refuse to love the truth. Ils refusent d'aimer la vérité. And it's that spirit of lawlessness or that secret power of lawlessness that is presently throwing through the gaps in the wall of righteousness. C'est le pouvoir secret de l'iniquité qui perce présentement les murailles de Dieu. Now, we've got two problems. On a deux problèmes. Number one, the spirit of lawlessness exists where people refuse to love the truth. Numéro un, l'esprit de l'iniquité existe dans ceux qui refusent d'aimer la vérité. And the problem is that many of those inside the wall of righteousness really don't love the truth. Et le problème aussi, c'est que si les gens qui sont à l'intérieur des murailles de Dieu, des bornes de Dieu, ne pratiquent beaucoup l'iniquité. Because if we really loved and embraced the truth, si on aimait et prenait possession de la vérité, there's no way there would be breaks in the wall of righteousness. En aucune façon, il y aurait des brisures dans les bornes de Dieu, les murailles. The breaks in the wall of righteousness don't come from outside. Les brisures dans les failles, dans la muraille de Dieu, ne proviennent pas de l'extérieur. They're formed from inside. Ils sont formés de l'intérieur. And so when we, as God's sons and daughters, et donc pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, do not fully love and embrace the truth, si nous n'aimons pas pleinement l'amour de la vérité, then we cause gaps in the wall of righteousness. C'est qu'on cause des failles, des brèches dans la muraille de Dieu. Through which the spirit of lawlessness pours through. Au travers de l'esprit d'iniquité. I want to look at, I should say this. So we are responsible to build and maintain the wall of righteousness. On est responsable de bâtir et de maintenir la muraille de Christ et de croiture. So if there's any gaps in the wall of righteousness, it's not the world's fault. S'il y a des failles dans la muraille de Christ, c'est pas la faute du monde. It's our fault. C'est notre faute. I want to look at three of the ways that we allow gaps in the wall of righteousness. Regardez trois façons, trois aspects là, où ce qu'on brise les murailles de Dieu, de Christ, de ce droiture. And the first one is religion. Le premier, c'est la religion. Religion is the enemy of relationship. La religion est l'ennemi des relations interpersonnelles. See, inside the wall of righteousness, God wants us to so live in loving relationship with each other. C'est que à l'intérieur des murailles de Christ, Dieu veut qu'on vive en amour dans les relations. That would influence the world around us. C'est que ça influencerait le monde alentour de nous. Says they'll know we are Christians because of our love for each other. C'est à cause de notre amour, les gens le verraient à l'extérieur. But by not fully embracing that truth, par ne pas embraser pleinement l'amour de la droiture, and instead we've embraced religion. On a embrasé la religion. See, God wanted us as sons and daughters to be led by His Holy Spirit. Dieu nous a enseigné à être conformes à la vérité de Dieu. And we said, well, that's kind of too hard. C'est comme trop dur un peu. Just give me a bunch of rules. Donnez-moi un paquet de règlements. And I'll just follow them. Puis je vais toutes les suivre. And that should make God happy. Puis ça devrait rendre Dieu heureux. But as soon as you start living by rules, la minute que vous commencez à vivre par les règlements, you embrace the spirit of religion. Vous prenez possession de l'esprit de religion. And when you embrace the spirit of religion, you embrace rules and regulations. Quand vous prenez l'esprit de religion, ben là vous prenez les règlements et les réglementations. And unattainable standards. Des choses qu'on peut pas atteindre vraiment, des standards inatteignables. And that leads to legalism. Ça c'est comme exemple de légalisme. Being judgmental. Juger les autres. Being critical, being condemning, constamment critiqueux puis condamner les autres, trying to control others to make them behave, et d'essayer de les faire, de les contrôler, de leur faire changer de comportement,
demanding a certain level of performance or be punished. Demander certains niveaux de performance, sinon ils vont être punis. And look what happens. Regardez ce qui arrive présentement. Mark 7. Dans Marc 7. They worship me in vain. Their teachings are but rules taught by men. Ils m'adorent en vain en enseignant comme doctrine des commandements d'hommes. Thus you nullify the word of God by your tradition that you've handed down. Donc vous annulez la parole de Dieu par vos traditions que vous êtes transmises les uns aux autres. Rather than loving the truth, we've nullified the truth. Plutôt que de révéler l'amour de Dieu, nous l'avons annulé. And because we've done that, et puis parce qu'on a fait ça, because we've embraced religion, c'est qu'on a embrassé la religion. We've opened up gaps in the wall of righteousness. On a ouvert des failles dans la muraille de Christ, des brèches. And the spirit of lawlessness is pouring into the church today. Et l'esprit d'iniquité est répandu dans l'église aujourd'hui. And there's so much judgmentalism and performance-based living. Il y a tellement de jugement, de critique, puis de performance dans l'église aujourd'hui. And then we're taking all those rules and regulations and trying to put them on the world. Puis on prend ces règlements et réglementations. When we ourselves are not living by them. Bon, mais on donne pas l'exemple de notre côté. Second thing that builds gaps. La deuxième chose qui crée des brèches. Not dealing with fear. Ne pas dealer avec la peur. I am absolutely amazed at how many Christians live in fear all the time. Je suis tellement étonné de voir autour de moi des gens qui vivent dans la crainte. Fear of rejection. La peur du rejet. Fear of punishment. La peur de punition. Fear of having somebody upset with them. Peur d'avoir quelqu'un qui va être en rogne contre moi. Fear of God. C'est la peur de Dieu. The unhealthy type of fear of God. Les craintes de Dieu qui sont pas saines. See, inside the wall of righteousness, à l'intérieur des murs de droiture, God wants us to live as sons and daughters of God. Dieu veut qu'on vive en tant que fils et filles de Dieu. With all of our actions motivated by love. Avec toutes nos actions qui sont motivées par l'amour de Dieu. But by rejecting that truth, mais en rejetant cette vérité, we've instead embraced fear. Nous avons lieu plutôt ça, nous avons embraser la crainte. And that drives us to personal protection and personal survival. Ça nous pousse à une protection personnelle de nous et de survie. And so, churches and Christians have become, what's the word, reactionary. La réaction, les gens dans le corps de Christ sont réactionnaires. We become afraid of the world. On commence à avoir peur du monde. We become critical of the world. On devient critique. We become afraid of God. On commence à avoir peur de Dieu. And we become afraid of almost anything that's new. Et puis on a peur de tout, la peur du changement, tout ce qui est nouveau. And that puts us into bondage. Et ça nous met dans un espèce de joug. That puts God's people into bondage. Ça met les gens dans l'espèce de joug. 1 John 4:18. 1 Jean 4:18. There's no fear in love. Il n'y a pas de peur de crainte dans l'amour. Perfect love drives out fear because fear has to do with punishment. L'amour parfait chasse et éloigne la crainte car la crainte porte avec elle du tourment. And the one who fears is not made perfect in love. Et celui qui vit dans la crainte n'est pas fait parfait dans l'amour. And so because we've substituted fear instead of God's truth of living out of love, donc, on a substitué la crainte au lieu de vivre par l'amour, par la vérité qui est motivée par l'amour de Dieu. We've opened up gaps in the wall of righteousness. On a ouvert des brèches dans les bornes, dans les murailles de Christ. And the spirit of lawlessness is pouring in. Et l'esprit d'iniquité est déversé dans la muraille. One more. There's probably a lot more, but I just chose three. Il y en a beaucoup plusieurs d'autres, mais j'en ai un autre, seulement un autre, je vais mentionner. Temporal values. Les valeurs temporelles. Temporal values are the enemy of righteousness, peace, and joy. Les valeurs de temporelles sont l'ennemi de justice, de paix et de joie. See, inside the wall of righteousness, à l'intérieur des murailles de droiture, God wants us to live as sons and daughters of God. Dieu veut qu'on vive. Il veut qu'on vive en tant que fils et filles de Dieu.
enjoying righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Savourer l'amour, savourer la droiture, la joie, la paix. But instead of embracing that truth and loving that truth, au lieu de prendre possession de cet amour de vérité, we've embraced temporal values. On a embrasé les amours, les valeurs temporelles. Because we want to experience temporary happiness. C'est parce qu'on veut expérimenter un bonheur qui est juste temporaire. And I see this sadly all over the place. Puis malheureusement, je vois ça partout, partout, partout. Well, you know, God wants me happy. Dieu veut qu'on soit heureux. And my spouse doesn't make me happy, so I'll just divorce my spouse. So, si ma femme ne me rend pas heureux, ben je vais divorcer. Well, God wants me happy. Dieu me veut heureux. So rather than saving up money for that item, I'll just put it on credit. So, au lieu de se sauver de l'argent, je vais la mettre sur la carte de crédit. Well, God wants me happy. Dieu me veut heureux. And making me diet doesn't make me happy. Mourir me rendra pas heureux. So I'm not going to diet. So je vais mourir. And we, you know, we go on and on and on. Puis on va, ça continue comme but ça. This whole temporary values thing about God wants me happy. Les valeurs temporelles semblent me rendre heureux, mais c'est pas le cas. Temporary happiness is the enemy of real joy. Le bonheur temporaire, c'est l'ennemi de l'amour de Dieu. Why is it that the divorce rate inside the church is almost the same as outside the church now? Comment ça se fait que le taux de divorce dans le corps du Christ est quasiment aussi nombreux qu'à l'extérieur dans le monde? Because we're more concerned about happiness than long-time righteousness, peace, and joy. Parce qu'on est plutôt on se focus plutôt sur le bonheur temporaire que le bonheur qui est éternel. Now, I have not seen the movie 50 Shades of Grey. Okay, I have not seen it. J'ai pas vu le film des 50 ombres de Dieu. Je sais pas c'est quoi le mot. A survey was done of women in the Bible Belt of the United States. Un sondage a été fait dans le Bible Belt. The conservative part of the state. Dans le parti conservateur, un sondage a été fait pour les femmes. They discovered more Bible-believing women were going to go to the movie than secular women. Ils ont découvert que des femmes qui croient à la Bible sont allées voir le film plutôt que ceux qui croient pas. Because they'd heard they might learn some new ways to get some temporary happiness. Parce qu'ils ont supposément ont découvert de nouvelles manières temporaires pour. Temporary values. Les valeurs temporaires. And as a result, Christians and churches have settled for false peace rather than resolving conflicts. Des gens se contentent tout simplement d'une fausse paix que de vraiment la droiture et la justice. No, don't say anything. Just it'll go away. It'll go away. That's not real peace. C'est pas vraiment la vraie paix. Christians have sought quick solutions rather than repairing their foundations. Les gens ont cherché des solutions rapides plutôt que de vraiment refermer, de solidifier les murailles de droiture. We spend our time assigning blame to others rather than taking personal responsibility. On passe notre temps à envoyer le blâme sur les autres plutôt que de prendre la responsabilité et régler nos problèmes. And this has led to pretension and hypocrisy. Ça a conduit à des fausses apparences puis l'hypocrisie. What's coming? Nothing, looks like. Oh, wrong button. There. Galatians 5:17. Galates 5:17. The sinful nature, actually should be the flesh, wants to do evil. La chair veut faire le mal. But that's the opposite of what the Spirit wants. C'est l'opposé de ce que l'Esprit veut faire. And the Spirit gives us desires that are the opposite of what the flesh wants. C'est que l'Esprit nous donne un désir opposé à ce que la chair veut. And these two forces are constantly fighting each other. C'est que les deux forces sont constamment tirées les unes aux autres, la chair et l'Esprit. So you're not free to carry out your good intentions. C'est que t'es pas libre de porter les bonnes intentions. We're not being free to fulfill God's standards of righteousness. On n'est pas libre d'accomplir les standards de Dieu. Because we've embraced the temporal values of the flesh. On a pris possession des valeurs temporelles de la chair. And then we wonder why there's gaps in the wall. Puis on se demande pourquoi qu'il y a des brèches dans And why the spirit of lawlessness is pouring in.
C'est pourquoi que l'esprit d'iniquité est déversé dans le corps de Christ, dans les murailles de Dieu. See, God has called us to build and maintain the wall of righteousness. Dieu nous a appelés à bâtir et à maintenir les murailles de droiture. And then through living those righteous standards to convince the world that this is God's way. Puis de vivre dans ce statut de droiture pour convaincre le monde comment est-ce qu'il voit comment est-ce qu'on vit. So that they want to embrace our standards, which comes through embracing the Lord Jesus Christ. Donc ils veulent prendre, c'est recevoir ces statuts-là de droiture de Christ, la vérité, l'amour de la vérité. Instead, we have not embraced God's standards of righteousness. Au lieu de ça, nous n'avons pas embrassé la droiture de Dieu. And then we've condemned those outside the wall of righteousness. Nous avons condamné les murs à l'extérieur de la muraille de droiture. Even though we ourselves are living in hypocrisy. Et même si nous autres, on vit dans l'hypocrisie. And because we're trying to tell the world to live in a way that we're not, puis on essaie de convaincre les gens de vivre de la bonne façon pendant que nous autres on vit de la mauvaise façon. They're getting angry at us. Ils viennent en colère contre nous. And so they come against the church. Ils se réveillent contre l'Église. And they find all these big gaps in the wall. Là, ils voient toutes les murailles, les failles, les brèches. And they pour in. Ils se déversent. But they pour in with vehement anger because of what we've done to them. Because ils se déversent avec colère et véhémence à cause de ce que l'on a fait aux gens de l'extérieur. And here's one of the big challenges. Un des gros défis. It would be so great if we could just spend our time cleaning up our own mess and repairing our walls. Ça serait tellement merveilleux si on pouvait faire le ménage de la conscience dans notre vie. Like, that would be great. Ça serait formidable. 1 Peter 4:17. 1 Pierre 4:17. For it's time for judgment to begin with the family of God. Le temps est venu de commencer le jugement de la maison de Dieu. Right, it's time to clean up our own mess. C'est le temps de faire un ménage de conscience en nous. But here's the big problem. Voici le gros problème. We have so messed up our wall of righteousness. On a tellement bousillé les murailles de droiture. And our hypocrisy has so infuriated people on the other side of the wall. C'est que notre hypocrisie a mis les gens en furie à l'extérieur des murailles de droiture. That those gaps have formed. Que ces brèches-là sont formées. The spirit of lawlessness is pouring into the church. L'esprit d'iniquité est déversé dans l'église. And now they're starting to demand that we live by their standards of righteousness. Là, ils commencent à nous demander qu'on vive selon leurs standards à eux. And if we do not, we will be punished. Puis si on le fait pas, là on va être puni. We used to say, well, you can't hire a homosexual. Oh, tu peux engager un homosexuel? Now they're saying, we will not hire someone who doesn't embrace homosexuality. Non, nous n'engagerons pas quelqu'un qui ne vivra pas selon les principes de l'homosexualité. We used to say, we will not marry you because you don't conform to our standards of marriage. On était porté à dire, on ne mariera pas les personnes homosexuelles. They're now demanding that we conform to their standards of marriage. Là, maintenant, ils nous demandent qu'on se conforme à leurs standards à eux du monde. And I'm hearing week by week people being bankrupted. J'entends des gens, là, des histoires effroyables de faillite. Even spending time in jail. Ils passent leur temps en prison. For not conforming to those standards. Parce qu'ils ne se conforment pas à ce standard-là. I would love to be able to just fix our own messes. J'aimerais ça si on pouvait trop faire un ménage de conscience dans nos vies. But unfortunately, we also have to learn how to stand in the gap. Mais malheureusement, on doit apprendre à se tenir dans la brèche. And keep the spirit of unrighteousness, the spirit of lawlessness from pouring in. Et d'empêcher l'esprit d'iniquité se déverser sur les murailles dans le corps de Christ. And that requires learning to speak to each other in love. Ça nous demande, ça nous exige de parler la vérité avec amour. So that we call people up to righteousness. C'est qu'on amène les gens à la droiture de Dieu. But it also requires that we learn how to speak to the world in love. Ça exige aussi qu'on parle avec, s'adresse au monde avec amour. So that they see we really don't hate them. Ceux qui peuvent voir qu'on les déteste pas. Because right now they think that we do. Parce que mes présentants, ils pensent qu'on les déteste. And they want to punish us for it. Puis ils veulent nous punir pour ça. So what do we do? Qu'est-ce qu'on fait? Acts 4:29 again. Acte 4:29.
Now, Lord, consider their threats. Maintenant, Seigneur, considère leurs menaces. And enable your servants to speak your word with great boldness. Et rendre tes serviteurs capables d'annoncer la parole avec audace. Now, I know it doesn't say the word with love there. Je sais que ça ne dit pas avec amour. But Jesus always spoke with love. Jésus a toujours été rempli d'amour. You know, the only people that Jesus ever publicly rebuked with any sense of anger, les seuls gens que Jésus a réprimandé avec colère, were religious leaders. Les chefs religieux. People inside the wall of righteousness, les gens à l'intérieur des murailles de Christ, de droiture, who were leading God's people astray. C'est qu'il faisait, il emmenait les gens à la dérive, à l'intérieur des murs. Them he confronted harshly. Il pouvait les confronter d'une façon dure. Everyone else he treated with love. Toutes les autres les a traités avec amour. And really, all confrontation is love too, if you do it correctly. Toute confrontation est correcte, en autant que c'est fait avec amour. So we need to call out to God in prayer. C'est qu'il faut faire appel à Dieu en prière. We need to ask him to give us boldness to speak his word in love with great boldness. Ce qu'on a besoin de demander à Dieu de parler avec audace puis amour. We need to receive his power. On a besoin de recevoir sa puissance. And then we need to speak and to act. Nous devons le parler et agir en conséquence de cela. Next week, I want to teach us on how to speak and act in love. La semaine prochaine, nous allons aborder le sujet de comment parler et agir avec amour. Right, it's speaking the truth in love. Parler de la vérité avec amour. But before we do that, avant qu'on fasse cela, and like I said, we do have to speak to the world. Il faut parler au monde. Because I have to say to them, no, I'm not going to marry you. Parce qu'il faut que je leur dise, non, je ne te marierai pas en tant qu'homosexuel. And I'm not going to hire you. Et je ne t'engagerai pas. And again, like I said, it's not about... C'est pas à propos. It's not about homosexuality. C'est pas à propos d'homosexualité. You say, well, I'm heterosexual, but I have a problem with kleptomaniacism, whatever. I have a problem stealing. Okay. J'ai un problème avec les kleptomanes, ceux qui ont tendance à voler. Well, not going to hire you either. Je t'engagerai pas non plus. It's not about sexuality. C'est pas à propos de la sexualité. And if we ever get around to it, homosexuality isn't about sexuality either. And until we understand that, we'll never be able to bring healing. Because God's will is healing, redemption, restoration. La volonté de Dieu, c'est la guérison, la rédemption. And you don't do that by threatening people or calling them names. Non, c'est la solution, elle n'est pas de les menacer non plus. So next week, we're going to learn how to speak the truth in love. La semaine prochaine, nous allons apprendre comment parler, communiquer la vérité avec amour. But I think for right now, pour l'instant, and hoping as you heard my message, okay, j'espère présentement que là, quand vous entendez le message, you'll see maybe where you've embraced fear. Vous allez voir où est-ce que vous avez pris possession de la peur. Or you've embraced the spirit of religion. Vous avez été épris de l'esprit de religion. Or you've embraced temporary values. Vous avez été épris des valeurs temporaires. Because it's things like that that have made the gap in the wall. C'est que c'est ces choses-là, ces exemples que je viens de soulever, c'est ça qui crée les brèches dans la muraille de droiture. And so as we celebrate the Lord's table today, donc, en célébrant la Sainte Cène aujourd'hui, we need to repent. On a besoin de se repentir. The world has not put the gaps in the wall of righteousness. Le monde n'a pas refermé les murailles de We have done that. C'est nous autres qui a créé les brèches dans la muraille de Christ. And remember I said last week, souvenez-vous ce que j'ai dit la semaine passée, is that when we don't stand up for righteousness, si on se tient pas debout devant la droiture et la justice, God allows us to feel the pain. Dieu nous permet de ressentir la douleur of the consequences of our actions. Des conséquences de nos actions. And right now, we are feeling the pain of our consequences. Présentement, on ressent les douleurs des conséquences. We are being fired and sued and being called bigots.
on se fait mettre dehors, licencié et poursuivi en justice. Because we did not maintain the wall of righteousness properly. Parce que nous n'avons pas maintenu les murailles de droiture proprement. And we did not advance the wall of righteousness properly. Nous n'avons pas avancé les murs de murailles de Christ de la bonne façon appropriée. And so I think God is going to give the church a visitation. Je pense que Dieu va donner à l'Église une visite. Visit a visitation, yeah. Inhabitation. I don't know if it's visitation. une visite à la station. And it's going to be a manifestation of power. Ça va être une manifestation de puissance. But power to love. La puissance avec amour. Power to clean up our mess. La puissance de faire notre ménage de conscience. And relearn how to love the world as Jesus did. Et d'apprendre à aimer le monde comme Christ l'a fait. Because while we were yet sinners, Christ died for us. Parce que quand lorsqu'on était pécheurs, nous avons été sauvés par l'amour de Christ. And while the world is yet sinning, et pendant que le monde est toujours dans le péché, God wants us to sacrifice. Dieu veut qu'on devienne, qu'on fasse un sacrifice, un acte de sacrifice d'amour. And we do that by learning how to love. Et on apprend ça en sachant comment aimer. Scott, if you get your worship team back up.